Nous allons voir dans cette vidéo formation qu'il est possible de changer l'affichage de vos couleurs sous PowerPoint 2010. Pour y arriver, vous devez tout d'abord vous rendre en haut et cliquer ici donc sur Affichage. Une fois dans cet onglet, nous allons ici nous intéresser à cette partie-là. Par défaut, nous sommes dans le mode d'affichage couleur, c'est-à-dire que les différentes couleurs que nous utilisons s'affichent comme telles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer le mode nuance de gris ou encore le mode noir et blanc. Je clique pour cela par exemple ici sur noir et blanc comme ceci. Vous pouvez voir maintenant que vos différentes diapositives s'affichent donc en noir et blanc. Vous avez donc ici différents modes de noir et blanc. Vous voyez par exemple ici, si je clique sur noir, vous pouvez voir ici que le noir est maintenant plus actif. Vous pouvez également activer donc le noir avec remplissage blanc. Je clique donc dessus et voyez donc toute modification s'apporter. Vous choisissez le mode que vous souhaitez. Donc, voyez par exemple gris avec remplissage blanc. Je clique dessus et voyez donc diverses modifications s'apporter. Également le mode nuance de gris. Je clique dessus et voyez donc par exemple ici comme arrière-plan, il y a donc une certaine nuance de gris qui a été insérée. Pour retourner dans le mode couleur, je clique donc tout simplement ici sur retour au mode couleur. Donc je vais retourner ici sur l'onglet affichage. Nous allons maintenant activer le mode nuance de gris. Je clique donc pour cela sur nuance de gris comme ceci. Et de même, vous avez donc ici les différents gris qu'il est possible d'utiliser. Vous voyez par exemple nuance de gris clair, nuance de gris inversé, etc. Je clique tout simplement dessus pour l'utiliser et ainsi modifier très rapidement donc les couleurs de mon diaporama. Je reclique ensuite sur retour mode couleur pour revenir et réafficher les différentes couleurs présentes dans ma présentation. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à changer l'affichage de vos couleurs sous PowerPoint 2010.